Bonjour, nous sommes le 3 novembre 2010 et la pénurie a secoué tout le pays, qui s'est aussitôt effondré. Pascal Dutoin, l'individu qui s'était fait volontairement traiter de pauvre con par le chef de l'État, s'était confié dans nos locaux en début d'année. 2010, pot de saucisse avait-il laissé entendre ? Le président de la République, interrogé ce matin sur une crise qui n'en finit plus de partir pour mieux rester, aurait sobrement commenté « coule du bronze ». Sans doute ses espoirs pour l'an prochain. Sans transition, j'aimerais vous rappeler que le Téléthon reprend très prochainement sa course annuelle. Le pays souffre et manque d'à peu près tout, mais des gens ont besoin de vous. Et le ministère de la Santé nous fait savoir qu'il est parfaitement apte à traiter les donations en boutons, bouchons, boulons, cochons, moutons, doublons. Le fil barbelé est également recevable, mais devra transiter par le ministère de l'Intérieur. Voilà, c'était les principaux titres de ce lundi sur Tout Faux les Infos, que les magazines de la rédaction vont maintenant développer pour vous. Et nous vous rappelons que le caractère devenu sanglant du conflit entre jeunes retraités et forces de l'ordre est idéalement déconseillé aux jeunes retraités. Bonsoir.